précipite pour l'heure à l'appel avec la collection Dinosaures des éditions Atlas. Jouez à l'heure à l'appel avec le magazine Télé Loisirs. Du Parc des Princes que nous démarrons cette émission. Est-ce que le public a la forme ce soir? Bip bip! Bienvenue sur le plateau de l'heure à l'appel, une émission quotidienne en direct et en public. Ce soir, je suis le seul à travailler en France. Si, si. Ah si, je suis tout seul. Il y en a un qui bosse ce soir, c'est moi. Hein. Donc, il y en a qu'un qui paiera des impôts encore, ça sera toujours le même. Donc, émission très spéciale, puisque journée spéciale, et qui dit émission spéciale dit invité très spéciaux, mesdames et messieurs, sans plus attendre, voici nos deux équipes, les Bleus et les Blancs. Avec, du côté des Bleus, mesdames et messieurs, il représente sans aucun doute, avec Marie Lecoq, Julien Courbet, Pascal Salem. Ils seront opposés, sans aucun doute seront opposés à Interville 97. Mesdames et messieurs, en tête Nathalie Simon, suivie de Thierry Roland, assisté d'Olivier Chiamonneau. Alors bien évidemment, il est évident que les... Je m'entends même plus là, c'est... Voilà. Alors, attendez. Hop, s'il vous plaît. Faut le faire très, très proprement parce que donc les Bleus ont la chanson d'Interville. 3, 4. Très bien, très bien. Maintenant, les Blancs, la chanson de sans aucun doute. Et ils ont relevé le défi, bravo les Blancs. Alors, sans plus attendre, les règles de cette émission ne changent pas, on est toujours en direct. Les gains iront bien évidemment à l'association de notre ami Guy Lux, pas d'enfance en vacances. Ah bon? Oui, oui. Ah non, là, vous prenez pas un rond, ça, vous avez pas dit. Il n'y a pas un rond pour vous et en plus, vous payez le taxi pour rentrer. Ça, faut que ça soit clair dès le début. Par contre, chez vous, vous allez pouvoir jouer car un coup de téléphone, c'est 10 000 francs et la cagnotte de ce soir s'élève à 20 000 francs. Ils sont animateurs, ils sont présentateurs, ils sont avant tout sportifs et sympathiques. On démarre avec la première manche. D'habitude, c'est un golfeur contre un golfeur. Là, il va y avoir 6 golfeurs sur le même trou, je vous dis pas le merdier. Première manche, on est parti. Alors, on intercale un bleu, et Pascal Célène, il se met le dernier, tu m'aurais étonné qu'il se mette devant lui. Je ne suis que sympathisant. Non, je joue pas, moi, aux conneries. Bien, Thierry, oui. La dernière fois que tu as joué au golf, c'était en 44, quand les oui. Allemands sont partis, je crois. Hein. Depuis, plus jamais. Jean-Mimi joue très bien. Oui. Donc, le but du jeu, il est simple. À tour de rôle, vous allez vous passer le club et vous tirerez chacun une balle. Et en tout, vous tirerez chacun 3 balles. Donc, la balle, avant explosion, doit arriver dans l'un de ces 5 trous et on fera l'addition des points obtenus au cours de ce jeu. Bien évidemment, il faut de la concentration. Il faut un esprit sportif, donc n'oubliez pas que derrière vous, c'est une personne de l'équipe opposée, donc soyez sympathique quand même de lui donner le club et pas de lui mettre dans la gueule. Hein, vous êtes bien gentil, merci.
J'ai dit ça pour Julien Courbet. Merci, c'est entre amis, il n'y a pas de ça chez nous. Et Olivier également, avec, c'est très raciste, Olivier Chabaudot. Oui. En plus, je sais qu'il y a Salem derrière lui. Attention, Thierry Roland se met en piste. On est prêt, top pour Thierry Roland, c'est parti. Attention, on met le feu. Oui, Thierry. Oui, non, Thierry. Pas du tout. Pas du tout, Thierry. Pas du tout. On passe la main à Marie Le Coq. Marie Le Coq en direct. Oui. On a topé la balle, Marie, c'est dommage. Nathalie Simon. Nathalie Simon qui tape pour les Bleus. C'est pas assez puissant. C'est dommage. Julien Courbet, mesdames et messieurs, classé 4. Oui, ouais. 5 points pour les Blancs. Joli. 5 points, ouais, 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 ouais. Oh, dommage. 5 points pour les Blancs, toujours Pascal Selem qui joue pour l'équipe de Sans Aucun Loué. Elle est belle. Elle est dommage. Elle est dommage. Deuxième main, on repart avec Thierry Roland. Thierry Roland, faut taper fort. Un balai, s'il vous plaît. Un balai. Le balai. Marie Le Coq qui va jouer pour la deuxième fois. Faites-moi passer le balai. Voilà, non, elle a encore topé. Voilà, merci. Oui, Nathalie Simon, toujours 5 points pour les Blancs, rien pour les Bleus. Ouais, ça tombe à côté. Attention. Courbet. Et non, ouais, 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 ouais. Ah, dommage. Ah, dommage, on y était presque. Olivier Chiabaudot, grand sportif. Non, sorti le jeu. Pascal Selem. Pascal, non, pas moi. Oh non, stop, arrêtez. Arrêtez, attends, là. Parce que là, là, ça devient n'importe quoi. Hop, un petit coup de balai. Ah, ouais. Non, eh. Tu as raison, vise les cadreurs. Vise les cadreurs. Allez, c'est parti. Oui, encore les cadreurs. Toujours les cadreurs. On est toujours à 5 points pour les Blancs. Nathalie Simon, ouais. Ouais, ouais, non. Il y a eu Gamel, Gamel. Il y a eu Gamel. Non, non, elle n'est pas bonne. 5 points pour Julien Courbet, oui, non. Les deux dernières boules vont être tirées. Elle est belle. Oh non, oui. Oh non, elle est ressortie. Il y a Gamel, il y a Gamel. Les quelques dernières, c'est la dernière. J'étais chaîné. Victoire des Blancs. Voilà, réclamation. Ça va être de ma faute. Oui, oui, c'est la guerre. Merci, les filles. Bon. Pardon. Un peu de tenue, les autres. Ici, au pied, là. Venez, là, les Blancs. Viens là. Moi, je propose. Il est content, là, il est content. Qui fait le premier? Cherche la zone, ton gros. C'est pas un jeu de... Ah, c'est pas un jeu de... d'ailleurs. Qui fait le premier vrai faux? C'est moi. T'as vu, mes mères. Allez, Marie Le Coq, ça te connaît, le vrai faux. On est parti, premier oui. Bon. Là, je pose la question et tu réponds pas par le Minitel. Tu réponds tout de suite. D'accord. Je pose pas une question, j'en pose 7 et tu réponds tout de suite. D'accord. Oui. Je te propose une série sur les fous dingues. Les dingues fous. Un couple d'Américains... Oui, par exemple. Vrai. Un couple d'Américains s'est marié 55 fois depuis son premier mariage. C'est faux. Non, c'est vrai, ça. Ça, c'est... Ça, c'est, Marie, ça, c'est Marie, vrai. Marie, Marie. Marie. Oh, Marie, rien. Ah, c'est plus facile de poser les questions. Hein. Le plus long marathon de danse de l'histoire a duré plus de 5000 heures. C'est vrai. Oui, 5148 heures, 28 minutes, 30 secondes. Un Autrichien a parcouru Vienne-Paris en marchant sur les mains. Il avait donc rien d'autre à foutre. Ouais, il avait plus de chaussures. C'est vrai, bien sûr, c'est vrai. 1400 km sur les mains. Un cycliste français a réussi à gravir les cols du Télégraphe et du Galibier en marche arrière. Un cycliste français a réussi à gravir les cols en marche arrière. C'est faux. Tu dis c'est faux, malheureusement c'était vrai. Oh non, en 3h07 minutes. Non, non. Tu files derrière la buvette, toi? T'as de la chance. Non, mais tu cherches pas d'embrouille non plus. Ça va. Ça va. OK. À 3 contre 1, c'est facile. Attention. La lettre la plus courte de l'histoire a été écrite par Victor Hugo. C'est vrai? C'est vrai. Et je vais même vous donner la petite anecdote. Victor Hugo a écrit à son éditeur pour lui demander si son livre marchait bien. C'est vrai, Victor Hugo avait écrit ceci. Et son éditeur lui a répondu cela.
Voilà, c'était une histoire authentique, c'est pour la petite histoire. Un Américain a pu trancher 3000 fois un cheveu dans le sens de la longueur. 3000 fois dans le sens de la longueur. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour éviter le stress des asticots, une directive européenne va interdire leur utilisation pour la pêche. C'est faux ? C'est faux, on l'a vu hier. À combien ça coûte, on l'a vu hier. Oui, bonne réponse, très bien. Les Blancs, venez vite. Julien, Pascal, 5 bonnes réponses sur 7, bravo. Bravo, bravo. Non. Pas ça chez nous. Bon. Voilà, patate. On va les tôler. Évitez de nous jeter les canapés à la figure. Avec une minute, qui tente sa chance auprès des gaffettes. T'as aucune chance. Pascal. T'as aucune chance. Si, 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 moi, aucune chance. Je vais prendre une gaffette. Allez, premier chiffre, on est parti. Voilà. Ah, tu te mets là, là. Tu te mets là. Je regarde pas. Tu regardes pas. De toute façon, si tu triches, je t'avoine. Hein. D'accord. Alors. Tu connais le principe de ce jeu? Oui. Oui, on va le dire quand même. Non, j'ai jamais vu l'émission. D'ailleurs, non, je me désintéresse totalement de cette émission. Je ne t'aime pas. Je ne regarde jamais ce que tu fais. Simplement, vu le cachet qu'il y avait, c'est pour ça que je suis venu. Vas-y, répète. Il y a un cachet. Pascal, tu as une minute pour remettre dans l'ordre nos gazelles qui vont te permettre de faire un mot qui te donnera le chiffre. D'accord. C'est un peu compliqué, mais je t'expliquerai au fur et à mesure du déroulement. Tu triches pas, sinon je t'avoine. Hein. D'accord. Top chrono, c'est parti. T'es vachement aidé. T'es vachement aidé. Si, je t'ai aidé, je t'ai aidé. Ivan Noé ? Non, mais bah, bouge des lettres, bouge des lettres. Alors. Non, reste là, avec la voix. Ouais, ouais. Alors, là, le... Ouais, le V en deux. Le V en deux. Yves, Yvonne, Yvine. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais le V, il est bien placé. Le A en premier. Ouais. Le V en deuxième. Voilà. Le O en, en troisième. Le I en quatrième. Et là, c'est bon. Et on dit la première. Ouais. Oh, c'est bon, c'est bon. Ouais. File dans ta chambre, Pascal. Les filles, qu'est-ce qu'on fait? Macarena. Allez, va pour Macarena. Chouchou, Macarena. Fille, 3 et 2, 5, moins 1, 4, bravo. Merci les poupouignes. Oh, file. Oh, c'est terrible ça. Hein. C'est la 4. C'est la 4. Toi aussi. C'est marrant, tout le monde est amoureux de la 4 à TF1. Puis alors, pas que les animateurs, hein, les grands patrons et tout, hein, tout. Hein. Moi, j'ai vu les grands gradés me dire, allez, arrange-moi le coup, tout, machin. Ouais, même Thierry Roland, alors, regarde, c'est vous qui s'il y avait moyen de... faire la 2, il a dit. La 2. La 2. Mais... la coiffure. Mais deux, à la c'est coiffure. Pas le nombre, hein, c'est le... C'est l'antenne de Canal Satellite qu'elle reçoit maintenant. Bien, alors, un point, les Blancs. Les Blancs, vous allez reverser 6000 francs chacun. Là maintenant. Non, pas, non, on va vous faire un chrome hein, là-dessus. Ah, donc 6000 francs reversés à l'association Pas d'enfance en vacances, rien pour les bleus c'est quand vous voulez. Mais maintenant là je vous sens bien. On a vu Thierry Roland à la répétition tout à l'heure sur la chaise à pédale, c'est un grand moment. 0 à 64 44 40 quelque chose, tel sera le numéro de téléphone qu'il faudra composer par la suite afin de nous joindre sur le plateau et espérer gagner 10000 francs, voire même deux patates avec la cagnotte si elle tombe. On va encore une fois faire jouer les deux équipes au complet. On est parti pour la deuxième manche en piste. Mesdemoiselles vont s'affronter dans un duel à mort en vélo kangourou. Donc le parcours que vous aurez à faire... Non, Nathalie, c'est l'autre côté, mes mères. Je sais pourquoi. Voilà. C'est vrai, les équipes, elles sont motivées grave. Hein. Alors... En vélo kangourou, Nathalie et Marie. En voiture à pédale, Thierry Roland, Pascal Selem. Et en demi-vélo, Olivier Chabaudeau, Julien Courbet. Julien Courbet qui n'a pas tout compris à la pratique de ce vélo. Autant donner un canard, une boîte d'allumettes. Les filles, vous partez sur la droite, vous faites le tour dans les coulisses, vous revenez en prenant le champ giratoire par l'extérieur. Lorsque vous franchissez la ligne d'arrivée, eh bien c'est Thierry et Pascal qui s'élancent. Vous, vous n'avez pas à faire tout le tour parce que... Eu égard à votre grand âge, à vous deux, surtout toi, Pascal Selem,
Non, Thierry, pour 17 ans, il est en forme, si vous voulez, Pascal. Je suis tapé, moi. Les deux voitures à pédales, vous faites juste le tour du rond-point. Et ensuite, les deux derniers vélos, vous ferez le circuit complet. Attention. 3, 2, 1, go. Allez, départ légèrement volé par Nathalie, mais bien repris par Marie Lecoq. On l'arrache le virage. Qui vient de voler le départ. Pascal qui les rattrape. Oui. Allez, comment ça, merde. Oui, allez, là, une lèvre, on coule à coule. Et on se lâche, on se lâche. Allez, ici. Va savoir, faites le tour. Allez. Attention. On est prêt. Julien Courbet, go. Allez, go, Olivier Chamonix. On est parti. Il faut pédaler. Oui, salut. Pédaler, Olivier, il faut pédaler. Olivier, il faut pédaler. Ah. Viens, Marie, viens. Oh là, oh là, oh là, oh là. Regarde, il y a un petit temps, là. C'est égal. Ah, il y a un petit temps, lui. Oh. 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 Allez, triche. Allez. Oui. T'es fait mal, toi. T'as réussi à te faire mal, non? Bon, ça va. Victoire de blanc, mesdames et messieurs. Oui, Thierry, une réclamation. Il paraîtrait que vous soyez rentré dans mon camarade. Qui, moi? Oui, vous. Non, non, il est tombé devant moi, il a donc fallu que je lui grimpe dessus. Et puis, il paraît que vous l'auriez fait tomber, que ça m'étonnerait pas. En plus, il a beaucoup aimé que je lui grimpe dessus. Ah bon? Il a beaucoup aimé. Olivier Chabaudeau. Monsieur Lagarde, oui. Je tiens à protester énergiquement, monsieur Lagarde. Oui. Olivier Chabaudeau a tenu le vélo de Pascal Sénat. Oui. Et j'achète un i. J'achète un i. Bon, chez les Blancs. Le divin crapaud n'atteint pas la blanche colombe, messieurs. Oui, ta gueule. Oui. Bon gueule. C'est la guerre. Qui fait le. Ta gueule, pareil. Hein, maintenant, ça s'est fait, là. Je vais abonner. Qui fait le... Tu me regardes jamais comme ça, toi, déjà. Qui fait le dernier, le deuxième, je sais plus. Qui... Allez, qui vient avec moi, là-bas? Le vrai faux. Ah bah, c'est Pascal. Ah, ah, mais non, parce qu'elle a déjà fait. Bon, allez, Céleste, bon, file dans ta chambre. Deuxième vrai faux. Et moi, je veux plus en faire des émissions comme ça, là. Ça, je... C'est la gaffe, c'est pas le Perse. Ah, merde. Eh oui, con. Ah. Maintenant, si tu veux faire une partie, il faut que tu mettes 100 balles, hein, sinon... Allez, on va jouer avec les habitants des villes, Pascal Tselem. Oh la vache. Pascal Tselem. Merci. J'y vais. Les habitants de Fourches, dans les Calvados, sont les Fourchus. Non. Si. Bon. Et si. J'ai pas joué encore. Ah non, mais t'as dit non. Ah d'accord. Donc, c'est vrai ou faux, hein? C'est vrai. Oui, non, mais c'est trop tard. Non, mais... Les habitants de Gara, en Charente, sont les Garatois. Faux. Ça, c'est faux. Pourtant, c'est vrai. Hein? Ah, c'est vrai, c'était vrai. C'était... Quoi? Ah, ben, c'est écrit, là, c'est vrai. Ah, c'est vrai, d'accord. C'est moi qui ai les réponses. Les habitants de... Pardon? Non! Tout à fait. Les habitants de Montmac, dans l'Oise, sont les Montmacros. Non. Faux. C'est faux, et tu as entièrement raison. C'est bien, Pascal. Allez, allez, mon gars. Les glandeurs... Oui. Les glandeurs, chose que vous connaissez fort bien. Bon, ça, oui. Les glandeurs sont les habitants de Glandon en Haute-Vienne. Vrai. Non, c'est les glandonnais.
Les banquiers. Les banquiers sont les habitants de Banque en Haute-Garonne. Vrai. Non, c'est les banquois. Oh non. Oh, Pascal, arrête. Les... On a de l'avance. Les... Voilà. Ok, c'est la donc, guerre. À 19h22, ça commence. À 45, c'est la guerre. Okay, Fred, tu vas chercher une lance à incendie, parce que s'ils veulent jouer, on va être les premiers. Les habitants de La Forge, dans les Vosges, sont les forgerons. Faux. Oh non. Non, c'était vrai. Voilà. C'était vrai. Attention, vous jouez pour 200 litres. Qui est prêt là-haut? Ah oui. Les habitants de Bonny-sur-Loire sont les bonichons. J'ai rien dit encore. J'ai dit vrai. Oui, bonne réponse. Bravo. Les bleus, venez nous retrouver. Tiens, prends. Les blancs, toi. Les blancs, venez. Merci. Nous retrouver. Tu sais que je ne voyais chaud, pas cigoler comme ça. C'est parce qu'il fait du fou. Moi non plus. Toi non plus. Tu ne voyais pas du tout. Ah, toi. Non, on est en avance. On est en avance. Oh, bah, c'est cool. Alors, j'ai un Chevrolet Pick-up qui était à vendre, mais ça y est, maintenant il est vendu. J'ai une Jeep à vendre. C'est... Ouais, on est toujours en avance. Je suis en avance. Maison, tu cherches. Alors, une maison, toi. Oui. Françoise. Tu cherches... Cela fait 6 mois que je n'ai plus de nouvelles de toi. Sache qu'il ne te sera fait aucun reproche si tu viens à la maison. Donne-nous simplement de tes nouvelles ou contacte Monsieur Lagaffe, qui, bien sûr, n'hésitera pas à nous en donner. Voilà, voilà. C'est tout ce que... Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Marie, tu cherches un passe-route à Marie, quelque chose? Non, rien. Non, je cherche rien. Tu cherches rien? T'es heureuse comme ça? Moi, je suis super contente. Oui. Je cherche rien. Je suis contente d'être là. Qui va essayer de sortir de la cage aux chansons? Wow. C'est Julien. File dans ta chambre, on est parti pour la cage aux chansons. Bien. Julien, à chaque mauvaise réponse, on enfermera à tes côtés une gaffette. Ah. Ensuite, on éteindra la lumière progressivement. Voilà. Tu devras lever les mains en l'air. Alors, je réponds. Et deviner qui c'est. Eh ben, c'est pas même un nouveau jeu. D'accord. Voilà, ça s'appelle le jeu du Lulu. Laisse, ils sont tout petits, ils sont ridiculement petits. Vous êtes petits, vous êtes microscopiques, vous n'êtes même pas là tellement vous êtes loin. Non? C'est dur? Non, bon, vous êtes revenus. C'est bon, là? Tu as de la chance, on t'a préparé une série de musiques qui ne sont que des génériques de télévision. Ah. Mais qui ne passent que sur CNN. Allez, chaque fois que tu reconnais une musique, on enlève un barreau. Chanson, s'il te plaît. Juste prix. Oui, le juste prix. On enchaîne, chanson. C'est un peu plus ancien. Aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, madame. Ah, ça, Dieu sait si tu l'as regardé et si tu as retenu cette musique. Sexy folie. Chanson. La séquence du spectateur. La séquence du spectateur. Un peu plus dur, parce que même horaire. Chanson. Reportage. Eh ouais, reportage. Et à chaque erreur, il est encouragé par les bleus. Allez, c'est sur la même chaîne, ce sont des amis à nous. Et l'un d'entre eux passe juste avant l'heure à l'appel. Chanson. On continue? Oui. Allez, on continue. Chanson. Téléfoot. Téléfoot. Chanson. Famille en or. Famille en or. Chanson. 50 millions d'amis. 30 millions d'amis. Allez, on continue. On compte aussi, là, tous. Hein. Ouais. Allez, on en fait encore. Ah, tiens, non. Oui, vas-y, continue. On va s'arrêter un peu plus loin. Vas-y, continue. Vas-y.
alors ça, c'est... Vidéogag. Vidéogag. Le journal de 20h. Tu peux sauter le suivant et mettre le suivant d'après. Voilà, et on va terminer sur celui-là. Alors, la gaffe. Savez-vous ce qui va vous arriver? Sacrée soirée. Ouais, joli mot. Alors, attention. Bon, non, t'as le temps. T'as 13 secondes pour aller ouvrir le volet. Top, c'est parti. T'as pas chaud du tout. On n'a pas chaud du tout. On n'a pas chaud du tout. Et vous savez ce que ça coûte, une boîte de mouchoirs en papier? Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Bien. 2 points pour les blancs. Rien pour les bleus. Les bleus. Thierry. On est qu'est-ce que passe été, on a été... Tu nous as fait perdre la course de vélo. Ça reste ma faute. Tu vois, tu es mauvais joueur. Tu es petit, Thierry. Tu es petit là-dessus. Je vais autant dire que cet été, ça va être autre chose. Là, tu es content. Il y en a 100 de chaque côté. Hein? T'en as 1000 de chaque côté. Au moins. Au moins, minimum. Voire 2000. Voire 2000 de chaque côté. Voire même à Saint-Raphaël, il n'y avait pas loin de 6000 personnes à Saint-Raphaël, je me souviens. Oui. Bien. Le numéro de téléphone à composer sera le 01 64 44 49. Pour l'instant, ce sont les Bleus qui reversent 12 000 francs à l'association Pas d'enfance en vacances. Mesdames et messieurs, Olivier Chabaudeau s'est mis dans la peau de l'aiguilleur du ciel. Ouais. Et nos deux pilotes seront respectivement Thierry Roland et Nathalie Simon. On est parti pour la deuxième manche. Alors, le but du jeu est simple. Il faut lui viser la biroute. Celle-là, hein. La biroute étant la manche à air. Ça s'appelle comme ça. Eh oui, non, ça s'appelle une biroute. Tu m'as fait peur. Ah, pourquoi Mais non. Ah, pourquoi il bouge là? Hein? Il y a du vent? Et, tu sais que le string te va bien. Hein? Mais hein? C'est un garçon. Bien, alors vous les envoyez chacun votre tour. On commence par... On va commencer par Thierry. Ouais. Vous avez 45 secondes pour faire en sorte qu'il en récupère le plus possible. Thierry, c'est parti. Oui, c'est là-bas. Hein. Nathalie. Oui. Alors, rechargez. Ouais, pas, rechargez. Thierry, allez, feu. Penche-le vers, vers. Non. Oh, merde. Oui, merde, d'accord. Non. Mais penche-le vers l'avant. Ouais, pas, voilà, non, Nathalie, quand tu veux, Nabil. Bon, Thierry, encore. Vas-y, Thierry, penche-le comme ça, penche-le comme ça. Voilà. Vas-y. Ouais. Tu vois, il y a du progrès. On a déjà la direction. Il reste 20... Ouais, le truc est carrément pas parti. Non, récupère pas, Olivier. On a récupéré... Oui, Thierry, vas-y, Thierry. Oui, Thierry, oui. Non. Nathalie. Oui, Nathalie. Non, c'est pas... Attention, Thierry. Voilà. Thierry Roland. 5, 4, 3, 2, 1. Tu sais qu'on en a des balaises, là. Tu sais qu'on en a des balaises, là. Bien, les bleus, bravo. Vraiment, non, vraiment. C'est de ma faute, je sais, Thierry, c'est de ma faute. Non. Si, Thierry, je sens que j'ai fauté. Donne-moi ta bouche, grand fou. Non. Filez dans vos chambres, je me descends. Non, Olivier, tu restes là. Vous me descendez... vous me descendez la dame, puis vous attachez l'autre jambon à la place. Les blancs, venez prendre la place. Pendant ce temps-là, mesdames et messieurs, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Eh bien, oui, si vous voulez... participer à cette émission en tant que candidat ou faire partie du public, eh bien, n'hésitez pas à vous composer le numéro de téléphone qui défile en bas de votre écran et on se fera un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Jean-Michel, t'essayes d'atterrir en sous, c'est pas gagné ça. Hein. Voilà, retourne à la DZ. Drop zone. Attention. Donc, bon, évidemment, ça fait prétentieux. Ah oui, je suis désolé. Hein. J'ai mis une coquille, on sait jamais. C'est pas une coquille, ça. Tu nous as piqué l'éléphant. Parce qu'elle s'élève, grâce à ta biroute, il faut que tu récupères les hélicos. Je vais me gêner. Mesdames et messieurs, je crains le pire. Oh, on lui avait parlé de volatile, du coup, il s'est dit, bon, allez, il suffit d'en mettre un pour que ce soit gagné. Marie, Julien, qui commence? Marie, top, chrono, c'est parti. Allez, Marie. Non, toujours pas. Allez, Pascal. Oui. Allez, envoyez les papillons. Celle-là, elle est pétée. Prends celle-là, elle est pétée, celle que t'as poignée. Elle est pétée, celle-là. Allez, pour le plaisir, on continue. On le canarde. Attends, bouge pas. Et attends que je sois là.
C'est hyper cool. Si, comment ça, c'est pas les mêmes hélicos? Enfin, attends, les tiens, ils étaient électriques, ceux-là sont au gasoil. C'est pas possible. Si, c'est des jets rangers. Ah bon, alors, d'accord. Eh ben alors, tu en gardes un pour toi, je suis oui, bon. Tu peux qui fait le dernier vrai-faux, Marie ou Julien? Julien. Julien, viens ici, Julien. Julien Dutrabille. Oh. Ah, attends, les questions sont tombées. Bon. Non, vous faites pas vrai faux, vous faites de la figuration là aujourd'hui, vous trois. C'est concentré, je suis concentré. C'est pas chaud du tout. Je me souviens, à tes débuts, t'avais quelques problèmes de... Mais je les ai toujours. Moins, mais des fois plus quand même. Voilà. Julien, on va jouer avec les jeux, es-tu joueur? Du tout. Il n'est même pas là. Quelle était la question que je viens de te poser? C'est lui. Un indice sur votre téléviseur. Sur un dé, la face opposée du 3 est le 4. Bien sûr, Vincent. Bien sûr, alors quelle question? Jeanne Calment avait 51 ans quand le bridge a été inventé. Ça, Vincent, je crois qu'on ne me la fait pas, moi, c'est faux. Et pourtant, c'est vrai. Julien, je suis désolé. Le bridge a été inventé en 1926 et elle est née en 1875, donc 1926 moins 1875, ça fait bien 51. Louis XIV, mieux connu sous le nom de la grosse Louison, jouait au billard tous les soirs. Bien sûr que non. Mais bien sûr que si, connard. Au 4-21, on fait nénette quand on tire 6-6-5. Non, non. Non, pas du tout. Et alors, du tout. Alors là... Bonne réponse, c'est 2-2-1. Les fonctionnaires et les militaires doivent porter leurs uniformes pour rentrer dans un casino. Répète. Ça, c'est vrai. Il est strictement interdit pour un fonctionnaire de pénétrer dans un casino en uniforme. Donc, c'est une mauvaise réponse. Oui, voilà, et oui, voilà, voilà. Juste un petit peu pour me venger. Voilà. Ça, ça c'est salaud, hein. C'est petit... Qu'est-ce que... D'accord. C'est vrai que, finalement, tu transpires moins? Non, mais j'ai réussi à réguler un petit peu, et d'ailleurs ça se voit. Je veux dire, maintenant, la transpiration, c'est quelque chose que j'ai pu combattre. Allez, on se reprend, Vincent, on se reprend. Moi, la transpiration, oui. Ça ne me connaît plus. En France, pour pouvoir ouvrir un casino, il faut qu'il se trouve au moins à 100 km de Paris. Oh. Faux, il y a un gain. Faux, il y en a oui, un gain. Demande la Guinness. C'est faux, il y a un gain. C'est complètement faux, ça. Donc un casino, il doit être à 100 km de Paris, tu dis, c'est faux. Mais bien sûr, Vincent. Mais oui, mais en gain, c'est pile 100 km de Paris. Ben voilà. Eh ben voilà, Pascal. Donc c'est une mauvaise réponse. Non, Paris, c'est Marie Lecoq, non. Se... non. Non. Si, 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 si. Moi, je me souviens, la dernière fois, vous m'aviez fait souffrir comme ça. À chaque... Anguin, c'est à 20 bornes de Paris. Et moi, j'ai la question, là. En France, pour pouvoir ouvrir un casino, il faut qu'il se trouve au moins à 100 km de Paris. Qui fait l'exception? Non, Anguin est l'exception qui confirme la règle. Voilà, alors, tu vois. Alors, vous nous induisez... Dernière question. Les 10 premiers coups d'une partie d'échecs peuvent se jouer de 170 000 manières différentes. Oui. 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 Ah, oh, mais bien sûr, Vincent. Eh ben non, pas du tout, là, c'est encore une fois le... Là, ça c'est bien, là, ça revient. Bien. Permettez, je lance la pub, parce que c'est ce qui nous fait bouffer, quand même. Hein. On a des comptes à régler. Aujourd'hui, c'est ce qui fait bouffer, toi. Oui. Ça ne fait rien bouffer. Pas de but, toi. Sous les acclamations. Stop. Down. 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 Voilà, down. Il suffit de dégonfler la valve, là. Voilà, down. Couchez, couchez. Voilà, couchez maintenant. Couchez. Allez, couchez. Couchez. Couchez, enlève la béquille. Couchez, couchez complètement. Couchez complètement, saloperie. Alors. Oh. C'est où le devant du derrière, là? Non, là, c'est la queue, là, voilà. Tu
tute ma mère. Regarde-moi ce poupoune, ça. Je tute ma mère. Et t'es ni gâteau, ça. T'es ni gâteau, ça. Hein? Non, pas toi. Ah non, pas moi. Retour sur le... Tu la lèves parce que c'est encombrant, parce que oui. Quand on va passer l'aspirateur, off. Ça va foutre la zone, ça. Off. Très bien, off. 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 Oh. Faut applaudir. On peut allez. Retour sur le plateau de Laura Lapelle. Le problème, c'est qu'elle dort dans le lit de Yo-Yo et on est merdé avec ça. Vincent, merci, Yo-Yo. On peut y aller, là. Hein? On peut y aller, c'est bon. Oui, non, toi, tu restes encore un petit peu parce que je sens que vous avez un bon contact, tous les deux. Ah, hein. Mais on peut s'en aller, tous les non, deux. Non, pas tout de suite, t'attends encore un petit peu parce qu'on a besoin d'elle juste deux petits... Baisers. Après, je te... Ok. Je te donnerai son téléphone personnel privé. Bon. On est à la bourre. Très bien. Retour sur le plateau de Laura Lapelle. Il y a deux points pour l'équipe des Blancs qui redonne donc leur gain. C'est derrière 12 000 points à l'association sans vacances. Ils ont remporté également la sélection de la troisième manche, mais ils sont seigneurs. Et ce sont les Bleus qui vont tenter d'arrêter les buts que Baby va proposer. Et nous allons démarrer avec un pro en la matière, Olivier Chabaudot. Nathalie Simon rend sa chance. Et bien évidemment, celui qu'on attend tous dans les cages. Eh bien, c'est l'ami Thierry Roland. Qui m'en a raconté encore une très bonne? Quelle différence y a-t-il entre le PSG et un taxi? Le taxi, il n'en prend que 4, lui. Attention! Ça, fallait pas me la donner. Donc, chaque fois que tu arrêtes le but, oui. Tu as le droit d'essayer d'ouvrir le volet grâce à la clé que l'éléphant te ramène. Si le ballon rentre dans la cage, la clé, couillée, foutu, perdu. Ah bah pourquoi? Ah bah c'est comme ça, tu cherches pas. Attention! Oh. Tu choisis la couleur de quel ballon? Mais il n'est pas un peu grand Orange. Le orange. Non, le jaune, c'est jaune ou rouge. Ah, pardon, le bleu alors. Le ballon, bon, ça sera le jaune. Ça sera le jaune. Attention. Baby, continue. Allez. Ouais. Joli. Allez, on ramène. Attention, reste pas au milieu, Olivier. Reste pas au milieu, Olivier. Reste pas au milieu, elle va arriver plein pot. Voilà, viens vite ta mère. Attention. Voilà, stop, 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 stop. Merci, ma belle. Donne la clé. Alors, est-ce la bonne, n'est-ce pas la bonne? Oui. Non, non, non. Non, non, non. Non. Je vérifie quand même. J'ai pas compris. C'est pas la bonne. Non, c'est pas la bonne. Non, allez, Nathalie, dans les cages. Nathalie, dans les cages. Rouge. Le rouge. Allez, le rouge. Voilà. Attention, Thierry dans les cages. Oui, Mimi. Voilà, mes mères, donne à papa. Merci, ma fille. Est-ce la bonne, n'est-ce pas la bonne? Oui! Allez, pour le plaisir. Pour le plaisir. Le vert, le bleu. Allez, le bleu. Recule la bête. Non, file dans ta chambre, t'en auras une après. Oui, on a 5 minutes, mais pour une fois, pour une fois, pour une fois. Attention. Allez, feu! Voilà, c'est bien. Merci Baby, merci Yo-Yo, applaudissements pour l'éléphant. Allez les bleus, venez vite. Merci beaucoup, bravo. Oui, on fait le malin fil dans ta chambre, on est à la bourre totale. Là, on est à la bourre complet. Mesdames et messieurs, 18 000 francs ont été gagnés par ces deux équipes. 18 000 francs qui vont être reversés intégralement à notre ami Guy Lux et son aveu. Enfin, à son association, pas à Guy. Guy, il n'aura pas un rôle là-dessus. Ce sera pour pas d'enfants sans vacances. Guy, viens nous retrouver. Guy, viens avec nous. Guy, l'initiateur de Laura Lapelle. Initiateur de pas d'enfants sans vacances. Merci Guy, merci d'être avec nous. Tout de suite, le tirage au sort pour savoir qui gagne quoi. Carton rouge à lui. Carton rouge pour Thierry. Carton rouge pour Thierry. Bien évidemment. Allez, musique. Carton rouge pour Thierry. Allez, le tirage au sort tout de suite. Dino, qui es-tu? Vous le saurez avec les éditions Atlas qui vous offrent cet abonnement à la collection dinosaures, des cartes Dino Fighter et des squelettes à construire. Bonsoir. Bravo les bleus, bravo les blancs. Grâce à vous, l'association Pas d'enfants sans vacances remporte 18 000 dinosaures ainsi qu'un abonnement au magazine Télé Loisirs. Et vous savez que notre partenaire presse vous offre toujours la possibilité supplémentaire de gagner de l'or à l'appel. Maintenant notre tirage sort. Alors ça sera Flore Denise qui
qui habite de l'an 57 qui remportera 10 000 francs aujourd'hui si le téléphone sonne. Et attention, car notre partenaire presse vous offre 4 VTT ainsi que pour, c'est pour toute la famille, je dis pas ainsi, c'est que pour toute ta famille. Et si vous voulez découper votre bulletin télé-loisir dans cette semaine, recopiez-le sur papier libre et envoyez-le avant samedi minuit à l'adresse indiquée en bas de votre écran. Bonsoir. Merci les filles. Et tout de suite, l'énigme. Non, il n'y a pas d'énigme. L'énigme ici, c'est moi. C'est moi, parce que, wow, le public manifeste. Petit frère. Petit frère. Hey. Non, parce que le public a râlé. Il n'a jamais sa météo parce que Monsieur Lagaffe, mon frère, passe sa vie à rendre en retard. Alors, j'ai eu des protestations du public épouvantables qui m'a dit, on n'a pas vu avant-hier le temps qu'il ferait hier, alors je vous ai composé la carte du temps que j'aurais dû vous présenter avant-hier et que tu m'as empêché de présenter et qui représente en fait le temps d'hier. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, vachement. Parfaitement. Alors, l'énigme ici, c'est moi. C'est moi. Alors, je voulais vous dire, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, regardez bien, s'il vous plaît, cette carte. C'est le temps merveilleux que nous avons en ce moment. Non, mais dis, chien Baudot, pas par derrière quand même. Ah ben pas non. Par derrière. Oh. C'est le temps merveilleux que nous avons en ce moment. Une alternance d'éclaircies, de passages nuageux et d'averses. Et vous avez remarqué, on a de belles neiges, on a surtout de beaux éclairs. Tiens, c'est vrai ou c'est faux? Je vous pose une question. Quelle est la température? Chut, s'il vous plaît. Chut, écoutez, écoutez. Sérieux, quelle est la température maximale d'un éclair? C'est le chiffre de l'énigme? Non. Non. C'est 30 000 degrés. Alors voilà, vous avez bien vu cette carte? On va la cacher. Et l'énigme, c'est moi. La question est la suivante. Combien d'éclairs y avait-il sur cette carte? Silence, ma puce, silence! Tu te tais, misérable! Oh, je te rends ton émission! Merci, Alain! Surprise comme ça, j'en veux tous les surprise, jours! Merci surprise. Beaucoup, Alain! Allez, tout de suite, qui va téléphoner? On n'est même plus à la bourre, hein, ça veut plus rien dire! Allez, combien on est? Bon, il y a autre chose encore après ou pas? Lâche! Si votre téléphone se termine par un chiffre impair, vous nous appelez tout de suite pendant 50 secondes! Là, je suis à la ramasse complet, là. Oh, c'est mal. Merci beaucoup. Je peux plus jouer. Non, je peux plus. Ça faut plus me faire des trucs comme ça, là. Non, je joue pas, vos conneries. C'est la guerre. Non, je joue pas, moi. Je joue pas, vos conneries, moi. Il y a de l'électricité, là. Faut pas jeter d'eau, hein. Il y a de l'électricité, là. Faut pas jeter d'eau, hein. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? À Lionel, bonsoir. Lionel, donnez-moi, bonsoir, donnez-moi le dernier chiffre, le dernier. Le 6. Oui, c'est gagné, Lionel. Choisissez vite une couleur dans l'arc-en-ciel. Alors, le bleu. Le bleu. Ok, vous nous appelez d'où? De Carcassonne. Bien, attention, question, ciné, télé, 20 000 francs à la clé, écoutez bien. Quel acteur interprète le personnage surnommé Bobo dans le film Les Bronzés? C'est terminé, il s'agissait de Louis Rego. Vous ne raccrochez pas, on va quand même prendre vos coordonnées en antenne, car vous avez gagné 10 000 francs. Merci d'avoir téléphoné, merci Alain d'être venu. Merci Thierry, Nathalie, Olivier, Pascal, Marie et Juliette Coupé. Merci les filles, bonne année demain. C'était l'heure à l'appel avec le magazine Télé Loisirs. Thank you.